D'abord, il faut se resituer en Floride, dans les années 92, quand j'étais peintre muraliste à cette époque-là. Je faisais des fresques, des trompe-l'œil, des façades d'immeubles, des choses comme ça, mais en peinture. Mais il y a eu un élément déclenchant quand même, c'est que j'ai failli tomber d'un échafaudage. Et puis arrivé en bas, je me suis dit, eh ben, il y en a marre de la peinture, il faut que je trouve autre chose. Au même moment, j'avais des amis qui voulaient que je les tatoue en disant, c'est dégueulasse, tu dessines trop bien, il faut que tu nous tatoues. Puis c'est comme ça, ils m'ont un peu poussé. Alors je leur disais, le tatou, ça sert à rien, c'est inutile, c'est moche, ça fait mal, ça sert à rien, quoi. Il y a des tas de choses qu'on fait dans la vie qui servent à rien et qui sont vachement chouettes. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à tatouer les copains en Floride, et puis je tatouais des têtes de mort, des aigles, des drapeaux sudistes, des pin-ups, de l'image. Les clients arrivaient, ils me disaient, voilà, je veux cette image, et puis je leur collais l'image, et puis voilà. Ben justement, après ça, étant mécontent du tatouage, je me suis dit, maintenant je vais à Tahiti, mais donc ma machine à tatouer, je la vendrai à Tahiti. Parce que je la vendrai mieux que la vendre en Floride. Parce que j'avais décidé d'arrêter le tatouage. Et puis une fois arrivé à Tahiti, alors là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est que j'ai vu les Tahitiens dans la rue, j'ai regardé leur tatouage, et puis je me suis dit, ah, mais ça c'est de l'art! Mais ça c'est créatif, ça c'est magique, ça c'est... Il y a quelque chose, Et puis c'est comme ça que d'un seul coup, j'ai regardé ma machine à tatouer d'une autre manière, en me disant, tiens, on peut créer quelque chose, on peut sortir de l'image. Et puis donc je suis devenu, pour apprendre le tatouage polynésien, je suis devenu journaliste pour la dépêche de Tahiti, la dépêche du dimanche. Et toutes les semaines, je faisais paraître une page entière dans le journal, avec l'interview d'un tatoueur polynésien. Et comme ça, en même temps, j'ai mis en valeur de nombreux tatoueurs polynésiens, mais en même temps, moi, chaque fois, j'apprenais quelque chose. Donc, au bout d'un an, eh ben, j'étais suffisamment érudit en matière de tatouage polynésien, et là, je me suis installé, j'ai créé mon shop à Bora Bora, au centre Vaima, en plein centre-ville de Waitapé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tatouer dans les années 94. En fin de compte, les Polynésiens que j'ai rencontrés, aucun ne recopiait un dessin. Raymond Graff, le grand maître polynésien, disait qu'il ne faut jamais recopier un dessin polynésien, il ne faut jamais faire deux fois le même dessin. On doit toujours créer à main levée. On doit toujours créer directement sur la peau parce que c'est le mana. Le mana, c'est-à-dire le savoir dessiner sur les gens, c'est-à-dire savoir capter l'énergie de l'individu et la redessiner sur la peau. Et donc cette espèce de capacité à écrire sur les gens, c'est un peu comme une capacité de créativité artistique, mais au-delà, il y a comme un lien magique entre le tatoueur polynésien et le tatoué. Le dessin par correspondance, c'est venu bien plus tard. C'est venu quand je suis rentré en Europe, que là j'ai dû m'adapter un petit peu à la philosophie européenne du tatouage, où on va faire un dessin et puis on va transférer le dessin. Et donc avec le développement de l'internet, j'avais de plus en plus de demandes de gens qui étaient loin, par exemple, j'avais des gens du Canada, des gens des États-Unis, même des Australiens qui me contactaient en disant « Mais nous, on voudrait aussi un dessin polynésien, comment on fait ?» Et puis c'est comme ça, par la force des choses, que j'ai commencé à créer des dessins par correspondance. Et à l'heure actuelle, je développe de plus en plus ce système d'avoir un formulaire et au travers du formulaire essayer d'arriver à sentir l'individu pour arriver donc à mettre sur le papier
le dessin. Donc, en fait, quand je dessine, je dessine pas vraiment, je tatoue le papier. Oh, il n'y a pas un conseil numéro un, il y a un bouquet de conseils. Bon, effectivement, l'âge, oui, ne pas se faire tatouer avant 25 ans. Oui, je sais, c'est nouveau. C'est que jusqu'à 25 ans, on est immature, aussi bien au niveau de la volonté, de l'esprit, mais le corps aussi est immature. Le bassin d'une fille de 18 ans n'a rien à voir avec le bassin d'une fille de 25 ans, même si elle n'a pas eu d'enfant. Le corps complet se stabilise à 25 ans. Donc pour éviter d'avoir des tatouages qui se déforment par la croissance, un garçon qui a des épaules toutes maigres à 18 ans, peut-être qu'à 25 ans il sera balèze. Il faut attendre 25 ans pour se faire tatouer. Enfin, je sais que c'est un peu... c'est contraire à la logique où maintenant les ados veulent se faire tatouer le plus rapidement possible, mais c'est des erreurs. Il faut attendre pour se faire tatouer, il ne faut pas se faire tatouer trop tôt.